Il reste encore une petite chose que j'avais un petit peu oubliée. C'est le troisième désordre. Le troisième désordre de cette première étude de Ligeti. Bon, alors là, on regarde une très grande continuité. Continuité dans le flux, dans l'idée qu'il a derrière. Qui est derrière la tête, Ligeti. Moi, je propose de briser cette continuité et de pas la briser n'importe quand. C'est-à-dire de la briser quand on veut. Alors, c'est une transcription, pour que tu raccordes, qui m'a demandé beaucoup de difficultés. Parce qu'en fait, une fois que j'avais fixé les termes de la transcription, ça changeait pas trop. D'après, j'ai parlé à quelqu'un. Quelqu'un dont l'initiale est S. Alors, peut-être qu'il apparaîtra. Il m'a dit, mais voilà, brise cette continuité-là. Fais du désordre, là. Et du coup, alors il y a un moment, du coup, dans la transcription. Ici. Ça s'appelle joie. Et c'est un moment où, en fait, j'ai décidé d'intervertir beaucoup de choses. Tout simplement. Que le rôle des musiciens, tout d'un coup, devient beaucoup plus ombrageux. Que le tempo même se tasse, que la musique sait pas trop en fait pourquoi elle fait ça. Parce que moi non plus, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais la pièce s'appelle Désordre. Et du coup, ça indique quelque chose. Alors je lance un appel, vu que je pense que j'ai fini de parler de la première étude. Je lance un appel pour des musiciens intrépides